Et rebonsoir à tous. Bonsoir. Bonjour, c'est encore nous. On part sur du Phasmo à 3 ou 4, Pépouze, Milouze, voilà. Si j'arrive à capturer le jeu, parce qu'aujourd'hui ça veut pas. Voilà. Hop là. Allez. Hop là là. Alors, écoutez, c'est parfait, je vois qu'on est en professionnel. Petite maison professionnelle, c'est parti. Comme ça, la Ah, paf. comme ça là, parce que je suis en train de. Hein, Elle est chaud patate. chaud patate. Prêt, prêt, Faudrait prêt. que je le voie à quoi ça ressemble du coup dans le camion le capteur sonore. Ben, on va te montrer. Ben oui, c'est pour ça, je dis, faudrait que Allez. je le voie. Je vous rappelle que ce serait top d'atteindre les 400 euros parce que c'est un objectif qui me tient à cœur, c'est Moi Canéris. aussi. C'est les petits micros tout noirs là. Alors attends, parce que je suis à moitié en train de d'être sur le balcon et là. Les petits micros tout. Ah oui, les petits micros. Ah mais putain, j'avais le même à une époque pour parler aux gens sur le Discord. Tac. Mais Non. d'ailleurs, je vais peut-être en mettre. Attends, qu'est-ce qu'il va falloir? Qui c'est? C'est Kelly. Il faut un C'est EMF, il faut le Kelly. prendre en photo. Ok, bah écoute, moi je vais en poser un micro quelque part. Et. Ok, bah moi j'ai un EMF et une spirit box. Et Et toujours un thermomètre et un antenne parabolique. moi, comme toujours, j'ai un appareil photo. Donc Kelly, EMF, photo et crucifix. J'allume ma lumière, oui, c'est qu'on ne voit rien avec ça. Et oui, c'est qu'elles sont à chier ces lampes. Si j'allume pas ma lampe, bah du coup il fait tout noir. C'est un fait. Alors, est-ce que je mettrais pas un micro ici, là? Je sais plus si vous le savez, mais en professionnel, dans celle-là, la première chambre tout à gauche, on peut se cacher dans le placard. Ah bah oui, mais c'est là où C'est là Garance était morte. qu'elle est morte Ben parce ouais, que non, mais oui, je lui ai donc je fermé la savais. porte au nez. Attends, mais vu que j'ai posé un micro, je vais en chercher un autre, j'arrive. Je vous laisse. Et ça sera des cartes de tarot, je suis. Alors, vous voyez le placard dont je vous ai parlé? Je vais me cacher dedans, je ferme la porte de la chambre, hop! Mais non, mais Garance, tu restes avec moi ou pas? Non, mais je suis dans la Attends, maison, hein, il mais. vient d'allumer la lumière, c'est pas moi. Ah, Oui, j'en entendais un. j'ai allumé la lumière en bas. Il a pas aimé. Il a pas aimé? Bah, moi, j'ai entendu faire du bruit, du coup, ça me rassure pas trop s'il est là où je me cache, parce que bon. Bah, moi, je vais dans le garage tirer les cartes, ça vous paraît une bonne idée? Et moi, je vais me Comment cacher pas? derrière un placard. Hein. Je vais peut-être mourir Essaye, seulement. Hein. écoute, on verra bien. Hein. Alors, j'ai chopé l'ermite et je sais toujours pas ce que ça fait, l'ermite. Putain! Oh putain, c'était le pendu, c'est bon, yes, il a été remplacé. Ah, il va faire une chasse. Ah oui, ça clignote chez moi. Oh bah c'est pour moi je crois. En tout cas, il est pas loin de moi. Il a l'air d'être parti. Ah non, il court. Ah, ah bah bonjour madame. Non bah partez, vous n'arrivez pas à ouvrir cette porte de placard. Elle est coincée. La porte Ah, ou la dame? la dame est coincée dans ma porte et c'est bon, elle m'a tué. Oh Ah, non! merde. Elle a En réussi fait, à ouvrir ça. qu'une porte de placard et je voyais son épaule tout ensanglantée, puis elle a bugué En quoi. fait, c'est à toi que ça porte poisse, les cartes de tarot. L'ermite, ça sert à quoi, Garance? Tu te rappelles? C'est la seule dont je me Je sais souviens pas. pas. Hop! Ça arrête Léa! Ah bon? Ah bah, normalement, oui, hein. Ah bah moi je suis toujours bien morte, hein. Ah bah non, j'ai chopé la High Priest. Je croyais que ça servait à ça. Ben oui. Alors, avant, ça a arrêté la personne qui était morte. Hein. C'est pour ça que je fais des cartes de tarot, parce qu'on a arrêté. Mais si ça Pas marche tout pas. faux. Oui, parce qu'on Non non peut mais avoir c'est un sympa de m'inviter à jouer à Passe-moi les baffes. Belle soirée. Ben non, mais ça Ben, va je peut-être. pense qu'il est pas loin de là où j'étais parce que j'avais fermé et la porte du placard et la porte de la chambre qui s'est très vite ouverte. Et puis il a recouru vers moi après. Non, mais c'est Vraiment, il courait bizarre quoi, il va parce vite. que. Donc faites gaffe. Attends, mais moi, ça me chafouine cette histoire de High Priest. Parce que ça veut dire que ça marche plus le raise. Ce qui est un peu Bah, débile. ou peut-être faudrait que tu le fasses au-dessus de mon corps. Non, non, normalement ça Je sais reste. pas. Enfin, n'importe qui. Avant, Enfin, avant, oui. ça, voilà. C'est pour ça que. Parce que si le reste marche plus, effectivement, je te confirme, je vais arrêter d'utiliser les cartes de tarot. Ça n'a pas d'intérêt, là. Ah, c'est rigolo. C'est rigolo quand je suis pas dans la maison, quoi. D'habitude, ça me fait plus rire quand c'est vous qui subissez, j'avoue. Alors, bah, je pense que je vais décaler les micros, ce qui se passe rien vers là. Il bah, faudrait peut-être que j'aille en mettre un dans la pièce où.
Léa est morte. Et du coup, bah, sur moi, j'avais ouais. Spirit Box et EMF. J'ai voilà. pris un détecteur de mouvement. C'est la première où elle est morte, chérie. Ouais, oui, je fais le tour. Le... Ah oui, pardon. Et les capteurs sonores, ils détectent vraiment que le bruit du fantôme ou votre bruit à vous aussi? Bah, je dirais de ce qu'on a vu, le bruit du fantôme. Attends, je suis sortie, Garance, deux secondes. Là, ça fait pas de bruit. Là. Alors, attends, la boy bedroom et le foyer, j'ai du bruit. Ah, je suis en train de marcher dedans. Non. Ah oui, si. Putain. Donc, ça détecte notre bruit, ouais. Je vais mettre un crucifix. Le détecteur de mouvement. Je vais encore mourir. Mais non, mais non. Non, mais je veux dire, moi, c'est pas dans le jeu que je meurs CIRL. Hein. Attends, t'as dit que t'avais la spirit box? Putain, j'ai cru que la porte s'était fermée. Faudrait que je vide ma vessie avant chaque partie. Où êtes-vous? Êtes-vous jeune? Garance, t'es où? Êtes-vous un homme? Guette la porte? Êtes-vous une femme? Où êtes-vous? Bon, moi je propose qu'on aille guetter un peu les micros là. Le temps je suis en négatif dans le couloir, donc voilà. Ah. Le couloir est négatif. Très bien. Mais toi, il a dû te faire du mal, hein, parce que ta tête, elle va pas bien, hein, Garance. Hein. Donc ce qui fait que je vais encore me retrouver toute seule dans ce putain de truc là, et moi j'ai mais pas non, envie. Mais non. Bah si, mais si. Il y a le klaxon, il y a la voiture qui bip. Je veux pas y aller. C'est moi qui avais pris les clés. Oui, ça mais faut pas, qu'on aille. Vous pouvez quand même le faire. Oui, oui. Où êtes-vous? Il me fait trop. Oula, il a mis du bordel ici. Il est peut-être dans le garage. Hein. Activité, ah ouais. T'as un. À living. Ah ah il est à 9. Ah, il attaque. Oh, je suis dans les toilettes. Mais il chasse pas, je crois. Je sais pas, moi, ça s'est mis à clignoter et il chantait dans mes oreilles. Là, il vient de passer à 8. La porte est ouverte. T'es sûr qu'elle est ouverte? Ah oui, oui. Bah oui, bah je me suis fait pipi dessus, hein. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Il a refermé la porte de son garage, hein, quand même. Hein. Ouais, bah je pense que le garage, en fait, ça a l'air d'être un sujet touchy, j'ai bien compris le problème. Ah oui, c'est remonté dans le couloir, donc je venais du garage, d'accord, ça là, c'est une attaque. Ah quoi? Hein? Garance, t'es où? Ah oui, là c'est à 10. Non, vous me laissez pas toute seule, hein? Pas comme ça, Zinedine. Je suis dans un placard, dans le placard de Léa. Oui, t'es sûr que tu veux être là? Tu verras, si tu l'entends attends. Arriver, il court. Du mais coup, je tu l'entendras vite. Je guette la porte. Je suis à la fenêtre, allez, chérie. Foyer, living room, il y a du bruit, là. Ah oui, on l'entend dans le camion, dis donc. Oh là là, il s'approche, ça clignote. Ça va aller, Garance, respire. Boy bedroom. Living room, foyer, il repart. Boys bedroom, il revient. Ouais, ouais, moi je le vois, ça clignote à fond chez Garance. Parce que je suis collée à la fenêtre. Attends, j'essaie d'ouvrir la porte. Il est passé dans le couloir, là. Ah, ça clignote à fond, ouais. Allez, laisse ouvrir la porte, allez. Allez. Garance, tu meurs pas. Garance, c'est ouvert. Fini. Ok, il va falloir aller dans ce garage de ses grands morts. Bah, Garance, t'as plus de tête. Ah ouais, ouais, j'ai ouais, la tête à l'ouette. Ok, je vais y aller, je vais fermer les yeux et ça va aller, moi. Hop là, et jeter dans le garage. Enfin, il a aussi... Ouais, bah oui, il marche partout, ce petit bâtard. Il recommence. Je le suis. Garance, je suis avec toi. Ouvre la porte. Il est dans le salon, il retourne dans le garage, il repart du garage. Ah là là là, putain, je pense qu'il faut appeler un cardiologue pour moi, sans déconner. Ah, il jette tout au passage. Putain, il bug dans le couloir du salon. Bah qu'il reste bugué. Il va à la cave. Bah, il va faire son petit tour de la cave. Ah putain, j'ai oublié d'enlever mon sachet de tisane au gingembre. Fort. Bon, ça. Ça pique. Il remonte de la cave. Il est toujours pas là. Non, tu fermes cette porte. Il redescend de la cave. Ah,
je croyais que t'étais rentrée. Ah, je croyais que c'était toi à côté de moi, mais c'est le cadavre de Léa. J'étais sortie, moi, attention. Je crois que c'est fini, il a disparu dans la cave. Mais ça va pas du tout, non? Et du coup, il y a pas un moment, tu sais, il va super vite, et je pense une fois que vous êtes trop loin de lui, il vous perd, et du coup, il ralentit. Est-ce que c'est pas un truc, ça, dans le bien... Coucou, je sais bonsoir. Pas. Ça va, poulette? Ça va, et vous? Oui. Difficilement. Attends. Mais non, moi j'en peux plus, je déteste ce jeu, il faut arrêter. Je t'ai entendu hurler dans le... Parce que la dernière fois, on avait joué sans Discord. Oui, on y avait joué sans Discord la dernière voilà. fois. Si je remonte le volume, ça marche mieux. Alors, le truc là, c'est qu'il faut re-rentrer dans cet enfer. C'est... Ce jeu n'est pas pour moi. Mais si. Non. Ce jeu est tellement pas pour moi que je te rappelle qu'à la base on avait mis en donation goal que je jouerais la caméra allumée. Le truc c'est que j'ai oublié de la couper les autres fois, donc les gens ont déjà vu ce qui se passait. Soit moi les yeux fermés devant mon écran. Ok. Crucifiez-moi, on est prêt à y retourner avec mes 0% de tête. Allez. Je laisse pas ma copine toute seule. Ah bah de toute façon, si tu me laisses toute seule, j'y vais plus maintenant. C'est fini. Mon crucifix, je l'ai jeté ici, moi. Ok, les marteaux, d'accord. Ou alors c'est Léa? Non, c'est lui, non, je crois. Non. Voilà. Moi, je suis dans le camion. On va aller chercher d'autres trucs, je sais pas quoi, mais d'autres trucs. Je m'en vais. Hop. Non, je te tiens la porte. Il est trop élevé en point de chaîne, le sans deck. Hein. Ouais, mais monsieur, faut on pas veut pas que les gens nous spamment du bruit. Bien, on ça c'est pas bruit. Alors. Surtout qu'on risque de ne plus pouvoir jouer à Elden Ring en coop. Il a l'air de déconner sévère. Ut. Ouais, très bien. C'est quoi notre plan là, sans déconner, justement? Il a refermé les portes, on va regarder s'il a touché des trucs. Ouais, voilà. Tu as pris une lampe UV. Moi, je vais tenter la spirit box. Dites à ma femme que je l'aime. Nous aussi on t'aime. Attends, je vais passer devant pour voir s'il veut me parler. Êtes-vous amical? Êtes-vous hostile? Où êtes-vous, Kelly? C'est pas Kelly, c'est ça? Je sais pas. Êtes-vous un homme? Êtes-vous une tarentule? Êtes-vous une mythe en pull au vert? Vous n'avez pas vu le bouquin? Si, sur la voiture. Ah. Ça se passe pas bien. Ça se passe pas bien du tout. Je fuis pas dans la même direction! Ah, il m'a tué! Putain, il split tellement vite! T'as vu, il va vite, hein? Oh mon dieu, je l'ai. Ah, il va à toute vitesse! Il m'a sprinté! Ah là 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 là! Pardon. Je suis désolée, les gens. Annie, t'es pas morte? Ah putain, ça m'arrête! Ah, mais ça a marché le High Priest! Non, mais vraiment les cartes de tarot, mais quel objet de merde. Mais j'y vois rien, je suis perdue. Reviens. J'ai pas ma lampe torche, où suis-je? Non, sors-moi de là. Où je suis? Je suis dans le noir. Là, où ça? Viens, on va trouver la sortie. Ah non, la lampe torche. Vas-y, on s'en va. Putain, mais moi j'avais fermé les yeux devant mon écran, donc j'ai pas vu que j'avais raise. Ah oui, mais d'un seul coup, je fais attends, pourquoi ton cadavre vient de se relever? Oh non! Non! Il est parti là-bas, ok, je te dis où il est. Bug, elle retourne dans le garage, là. Elle est bête. Non, Pandore, me crie pas dessus non plus! Elle joue avec son marteau. Mais elle court tellement vite! Oh putain, elle lance tout dans le garage. Et moi, je rentre plus dans cette maison. Essaye déjà de sortir. Ta gueule! Ah là là, mais qu'est-ce qu'elle est bête! Alors, elle parle du fantôme, je précise. Ah oui, je me permettrai pas quand même. Mais. Tu noteras que moi j'ai pari à la blague de Garance, même si je l'ai trouvé très drôle. Mais en plus, tu sais que la porte chez moi elle était encore ouverte, mais je pouvais pas passer, j'avais un mur invisible. Elle est dans le couloir. Non, je veux pas. Je l'entends. Elle est dans la chambre du bébé. Ah, j'entends tous ces bruits, je vais pas m'en remettre. C'est ouvert. C'est fini. Ah, mais c'est que j'ai rejeté ma lampe torche de panique en fait. Confisquez-moi mes objets. Moi j'y retourne pas, hein, démerdez-vous. C'est fini. Hein.
Avec quelle tête, de toute façon, hein? Eh non, j'ai 2%. On a une seule preuve. Bah oui, du froid. Ah bon, on avait ça. Et c'est... Il y a une orbe qui se promène. Ah, ça y est. Moi, je pense que c'est un revenant, vu comment il va à toute berzingue. Revenant, ils disent quoi? Je crois que c'est le revenant qui trace sa mère. Ouais. Avec ma mère. Ah oui, non, mais c'est ça, c'est sûr. Moi, je mets revenant aussi. Parce que quand ils vous perdaient, ils ralentissaient. C'est ça, ah oui, puis je peux te dire que moi, dans le couloir, enfin, quand il m'a chopé, j'ai entendu les pas à toute vitesse. Moi, je. Voilà, j'ai fait, vu ça, j'avais jamais entendu ça. J'ai dû changer ma couche, hein, là, c'est pas possible. Mais faut pas qu'on joue à jeu trop tard, parce que je pense que vraiment mes voisins vont appeler la police un jour. Alors revenant et on récupère Ulver. Oui, je vais t'envoyer le code Ulver. Ah, je lui ai donné déjà. Oui, elle me l'a déjà donné. Très bien. C'est beau ce travail d'équipe que vous faites. Et donc la petite Ulver va nous rejoindre. Ulver, on en a parlé plusieurs fois depuis le début de cette session Stream for Food, parce qu'Ulver, c'est la personne qui nous a fait nos magnifiques avatars pour la chaîne. Voilà. Et d'ailleurs, quand j'ai dû faire le défi dessin, Ulver, voilà, on a beaucoup parlé de toi pour expliquer que tu savais dessiner. Non, d'un chien. Je vous ai vu jouer à Gartic Phone et tout, à un moment j'ai voulu vous rejoindre, mais j'avais trop mal aux yeux. Ben, le premier soir, en donation goal, c'était pour les 50€, j'ai dû dessiner les animaux de leur choix, et il y avait Neft. Il a demandé que je dessine un équidné. Mais plus tard. Voilà, je veux plus en parler. Attends, je vais changer ma tête parce qu'on a la même. Faut que je vous mute, c'est ça. Hop. Ah, il faudrait que tu nous mutes sur le Discord. Toi. Ah, sur le Discord? Non, bah, ça dépend. Ça dépend comment. Oui, ou sur le jeu, en fait. Non, sur le jeu, si tu veux nous entendre sur Discord ou vice-versa, bref. Bah vous jouez comment, vous, du coup? Nous, on joue en pas de courage, en étant sur Discord. Mais vous avez quand même vos micros activés Bah oui, pour parler... on parle quand même dans les radios pour parler aux fantômes. D'accord, bah je vais mute sur Discord, c'est plus immersif. Du coup, à toutes. Attends, parce que je vois la petite tête... Voilà. Là, vous m'entendez in-game? Ouh. Ouais. Tout à fait. Faut lui répondre in-game, je pense. Oui, on t'entend in-game. Ah, oui, on t'entend in-game. Tu nous entends aussi? Oui, d'accord. Oui, c'est bon. Enfin, je t'ai entendu, toi, Dino. Oui, on entend tout. On entend tout. Non, mais on va arrêter, on va faire et autre chose. Et du coup, juste, je vais pas rester hyper longtemps, parce que comme j'avais dit à Mia, j'essaie de pas rester trop longtemps sur les écrans, sinon ça me défonce les yeux en ce moment. Donc, pas de souci. On n'était pas parti sur une très grosse session non plus. Je vous propose, alors, en intermédiaire, mais je vous propose l'asile en restreint. Ça vous va? Alors, est-ce que tu as déjà rejoué depuis la mise à jour? Ulver, est-ce que tu as déjà rejoué depuis la mise à jour? Je sais pas si je suis sur la bonne touche. Mais vous êtes un peu shoot-up que sur le. Oui, sur le jeu. Oui. Est-ce que tu as rejoué depuis la mise à jour ou pas, Ulver? Pas du tout. Mais du coup, si vous êtes un peu shoot-up, je pense que je vais me remettre. Enfin, je vais vous mute dans le jeu et. Enfin, voilà. Bah, après, c'est pas grave, on peut parler en push-to-talk. Hein. Nous, ça nous dérange pas. Bah ça va être pénible pour vous. Bah on a l'habitude, pour parler aux fantômes on appuie sur la touche, donc comme tu veux. Oui, y a pas de... vous avez toujours la même tête par contre, alors. Ah non, on n'a plus la même tête. Pardon. Par contre, est-ce que je peux mettre un push to talk directement ici ou faut que je sorte de la game? Je sais pas, mais t'es pas normalement, obligé. Normalement je crois que tu peux le faire sans sortir de la game, mais à confirmer. Si, je t'explique, tu m'entends? Tu fais échappe, pour aller dans tes options. Tu fais échappe pour aller dans tes options. Dans options, tu vas dans audio et ta méthode d'activation, blablabla. Ok. Est-ce que c'est bon là? D'ailleurs, du coup. Normalement, oui. Là, tu m'entends? Oui, je t'entends.
Bah alors, pourquoi il n'y a pas le... Est-ce que tu m'entends, Hulvert? Oui, si, si. Si. Non mais... Charge la partie. On va démarrer la partie dans tous les cas. Je peux pas démarrer Garance si tout le monde n'est pas prêt, donc ça ne changera pas le problème. Bah, du coup ça marche pas. Bah, je vais rester comme ça, tant pis. Parce que sinon après je vais vous allez m'entendre en double. Ça va être chiant. Du coup non, j'ai pas du tout joué depuis la mise à jour et tout là. Donc on... Bah en fait on a tous recommencé au niveau 1 et il nous manque plein d'objets, ouais. Et c'est la guerre. Et il faudra que Neris et toi vous vous mettiez en prête. Je suis en prête moi. Non, tu ne l'es pas. Ah bon? Voilà. Bah mon jeu avait bugué, désolé. Non, c'est moi quand j'ai fait échappe pour montrer à Ulver regarder pour les... Non mais ça m'affichait encore que j'étais en prête. Ah ok, parce que j'allais dire moi ça a tout reset, mais pas de soucis. Ça, c'est bien ma touche de radio. Ah, cette jolie chemise blanche. Du coup, c'est toi qui es en routine et Ulver qui a ta tête de débit. Oui, parce que je voulais pas lui demander de changer. Elle est bien, la routine. Je ne me vois pas. Écoute, c'est pas si mal. Faites-moi un peu de limbo pour le public, s'il vous plaît. Limbo, limbo, limbo. Limbo, limbo, limbo. Le flex des bras me fascine toujours autant. Est-ce qu'on a du monde? Oui, on a des gens. En attendant notre adorable Hulvert. Ah, il est là. En train d'atterrir. Alors, atterrissage. Alors, Hulvert, est-ce que tu nous entends? Oui, c'est nous bon. Oui. Je voulais te dire avant qu'on parte un truc, Ulver. Ouais. Sache que j'ai lancé une partie de Cult of the Lamb en stream et que tu es dans mon culte. Voilà. Ah, trop bien. Je suis quoi comme animal? Attends, je t'ai mis un truc mignon, mais je sais plus quoi. Une tortue. Non. Une petite tortue? Ah non, une petite abeille. On m'avait demandé une abeille. Oh, let's go. T'es une abeille. Trop bien. Ok, donc du coup, en fait, il y a eu une mise à jour, je sais plus jouer, et vous balancez l'asile direct, c'est ça l'histoire. L'asile restreint, le petit asile. Moi, j'étais ok pour le grand, mais personne ne veut. Non, non, mais oui, il te met toute la carte, mais en fait, on a accès qu'à une partie. Alors, le thermomètre, c'est quoi, du coup? Alors, le thermomètre, maintenant, c'est un thermomètre à l'ancienne, tu sais, là, le truc blanc, là. Dehors, Le truc blanc merdique. Mais c'est quoi ce thermomètre? Eh ben en fait, vu qu'on est des petits niveaux, on a des objets de merde. Le jeu veut nous tuer. D'accord. C'est ah le oui, matos du pauvre. Oh, maintenant, génial. Il y a des niveaux d'objets. Okay. Alors, ce sera Daniel Williams. Donc, Daniel... Ça, c'est ok. Ben, regarde l'appareil photo que j'ai dans les mains. Ouais, tout est un peu super rétro oh, aussi. Putain, hein. C'est un... En Alors. Je vais prendre. Bah, il me faut une. Moi, j'ai un EMF et un bouquin. Hop. Et puis, je vais prendre la. J'imagine que c'est ce qu'il y a de droit que ça. Attends, on a. Ouais, c'est bon, on a tout le monde. Je vous ai dit qu'il s'appelait comment déjà? Daniel, tu as dit. Ah oui, merci. Et donc, on a un cercle d'invocation qu'on pourra allumer pour faire une photo souvenir. Maintenant qu'on nous a gentiment fourni des allumettes. Donc, ce sera le sous-sol. Hop. Et ce nouveau
extrêmement met du beaucoup temps. de temps. Ouais, ah ouais, ça lui met du temps. Il faut vraiment être sous zéro. Et pas à zéro pour que ça compte. Et puis on fait de la buée même quand il fait pas froid maintenant. Voilà, on fait de la buée avant zéro. Enfin, avant le négatif. Daniel, vous m'entendez? Daniel, il parle avec personne seul. Oh, il y a Je une le jolie dis au cas où. étiquette sur le une jolie étiquette sur le bureau ici. Je souhaite être en sécurité. Je viens de l'entendre dans mon micro. Le fantôme? Je viens de l'entendre dans le micro. Ok. Effectivement, vers ce couloir-ci. Toujours sympa cet asile, hein? Est-ce qu'on a paumé Ulver quelque part? Ulver, tu vas bien? Tout va bien? Ouais. Moi, je suis perdu. Voilà. Le fantôme, il est vers le sous-sol. Mais on a repéré le fantôme vers le sous-sol, mais je sais pas où. Attends, je peux t'y emmener, je te rejoins à l'église. Oui, c'est moi. Viens. Non, c'est par là. Interminable. Là, 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 Oui, là. le couloir du sous-sol est super bon. Je te laisse avancer, je vais aller chercher. Il faut continuer, mais il faut que j'aille chercher du matériel. Vous avez trouvé où il était, les filles? Non, j'ai rien, Exactement, non. l'AMF. Ah, ils ont rajouté des poubelles ensanglantées avec des mouches qui font beaucoup de bruit. Ah oui, il y a une morgue avec des cadavres, d'accord. Ah, j'avais jamais vu ça. Moi, je me suis déjà Alors, cachée dedans. je l'ai réentendu en revenant par ici, donc je pense qu'il est soit dans le premier bureau au pied de l'escalier, soit dans une des premières salles, mais Tu l'as il est dit dans la pas radio ou pas? beaucoup plus loin dans le couloir, je pense. Bah, Premier je reviens. bureau, enfin première salle ou bureau en bas de l'escalier. Il serait au début du couloir. Moi, j'ai rien à l'EMF. On a des nouvelles de la petite Ulver. Ulver, elle est partie vers la morgue, tout au fond. Et vous lui avez dit que c'était plutôt au début? Je ne sais pas si Garance l'a dit, si elle Oui, l'a normalement, entendu. je le dis en radio. Est-ce que tu m'entends, Ulver? Pareil, je ne sais pas si on m'entend quand je parle dans le jeu. Ulver, est-ce que tu nous as entendus? Le fantôme serait plutôt au début du couloir, on ne sait pas si tu as entendu. Bonjour, je cherche le fantôme. Ah? Ah. Ah, c'est quoi ce A? C'est l'ampoule du plafond qui vient de claquer au-dessus de moi là. Ok, moi je me Donc pose. vraiment début du couloir. Parce que moi je pose des micros et tout ça, mais... Allô, Daniel? Ah oui, il a fait un pic à 10. Il est actuellement à 0.
Ah merde. Bon, écoute, je vais tout laisser là, moi, et puis on verra. Hein. Oui, ça me semble mieux. Ça me semble un bon plan. Je vais au camion chercher du matériel. Je monte avec Léa. Alors, c'est où? C'est là. Il attaque. Ulver, il attaque, hein. J'ai l'impression d'entendre quelqu'un s'étouffer, non? J'ose pas parler dans le jeu. Non, non, c'est bon, la porte est ouverte. Je vais vous dire si quelqu'un est mort. Ulver? Attends. Elle peut pas t'entendre, elle est morte. Ah. On si, est elle désolée. Peut m'entendre, mais elle peut pas me répondre. On va se faire une petite maison cosy après. Et les têtes, ça va pas fort. Ah putain. On s'est ouais. bien fait siphonner la tête, quoi. Ah. Ouais, il attaque déjà. Fuyez, fuyez. Ah non, vous restez là. S'il vient d'en dessous, je préfère rester caché à côté de la porte d'entrée. Il y a peu de chances qu'il arrive jusqu'ici. Ulver, je sais pas si tu m'entends, mais si jamais tu veux repasser sur le Discord pour parler avec nous le temps qu'on... Je suis là, je suis là, mais comme d'accord. Je suis morte, du coup, je vais t'aider. On est désolé. Ah bah c'est pas grave, hein, c'est moi qui... C'est bon, viens, c'est, on redescend, allez. Quelqu'un surveille s'il nous attaque au pire. Bah, mais je suis avec vous, là, je vous suis. Parce que moi je me fais pipi dessus. Mais ouais, même en restreint ce couloir là, il est interminable quoi. Mais surtout qu'il est vers où ce con? Ok. Pardon, c'est moi. C'est moi. Oh. Il attaque, je l'entends dans mes oreilles. Je m'en vais, bisous. Je sais pas où je suis. Oh, je m'envole. Ah là là, il est tout près de mes oreilles. Laissez-moi, maman. Moi je l'entends pas, je suis pas... Ah là là, moi je suis sous les escaliers. Il est tout près, j'entends son petit son. Ah oui, je l'entends, ah là mais là. Il va me tuer. Je suis pas caché, je suis collé contre un mur à côté de Michel. Il a des grosses chaussures. Hein. Je l'entends plus. Quelqu'un est mort? Non plus. Je l'entends plus, je suis pas morte. Il a essayé d'ouvrir ma porte, je suis dans une pièce toute dégueulasse en plus. Mais je sais pas où il est de base. Allez, c'est reparti. Mais je sais même pas d'où il attaque. Ok, il vient de m'attaquer. Non. Il m'a fermé. Bah, je sais pas, une porte. Il m'a fermé la porte ici au nez, donc. Oui, moi j'ai vu la porte se fermer, je me suis fait pipi dessus. Le MF, il y a combien? Il y a un peu de MF. Mais il a disparu, c'est garanti. Ah, il y a des traces de main. Il y a des traces de main. Ah, il a fait chier. Pardon. Il y a des traces de main. J'ai trouvé le cadavre. Il y a des traces de main. Une photo. Je vais les rechercher. Il attaque. Non. Je fais ma technique de débutante, je vais mourir, je suis désolée. Je suis dans un coin de mur et je regarde le mur. Moi je suis une... je suis littéralement une bibliothèque. Bon bah je suis morte à côté d'Ulver. Quoi? Je sais pas ce qui... J'ai paniqué, écoute, je pouvais plus courir, je t'ai soufflé, ça m'a saoulé. Voilà. J'ai regardé le mur. J'ai regardé le mur, il m'a regardé, je l'ai regardé, il m'a regardé. Mais regarde comme ça, Garance peut s'en sortir en vie. Viens, Garance, on remonte, on va aller chercher notre dignité et un appareil photo pour qu'elles aient au moins l'assurance. Il alors, a pas écrit dans le livre. Pas besoin de l'assurance, j'ai pas de thune de base. Ah bah alors par contre, on meurt tout le temps, mais on a... Il attaque, en fait, il veut pas que je sorte. L'entends. Il veut pas du tout que je sorte de la maison. Laissez-moi, monsieur, ou madame. Ah, mais il revient vers sa pièce. Oh, il a une grosse hache. Mais alors c'est quoi sa pièce de merde, hein? Mais il fait de l'asthme, faut qu'il soigne ça. Mais j'ai mis une caméra dans la pièce. Et il part... T'es pas vers la morgue?
Non, non, moi non, je non, mais là, on, est... on gratte à la porte de... comme de neuneux. Ah bah non, mais il est en bas là, il... c'est fini. Ouais, bah un peu comme ma dignité. Et donc l'emplacement est bon du coup, on était au bon endroit. Oui, je pense. Oh bah on a 0% de santé mentale, what could go bah, wrong. On a eu de l'EMF dans cette pièce là, donc j'ai mis une caméra, je sais pas si vous y verrez grand chose, mais. C'est où qu'on monte là? Voilà. Donc c'est la première pièce avec les murs capitolés, non? C'est quoi? Non, c'est celle d'après. Ah putain. Ça y est, ouais, je suis et on fait quoi là hein? On fait quoi, France? Sans déconner, gars, c'est quoi le plan? Oui. Alors, on sait qu'il y a des empreintes. Parce que j'ai vu des empreintes. Je pourrais te jeter n'importe quoi. Et je vais prendre un appareil photo et vous prendre en photo, mais il va falloir m'accompagner, Garance. Mon courage ne sera pas assez fort. Oui. Regardez donc un peu la caméra, si vous voyez orbe ou truc aussi. Ben, on l'a mise, la caméra, mais... Pas d'orbe qui se balade. Très bien. Coupe ta lumière, chouchou. Non, mais on va vous prendre en photo. Il y a les caméras têtières. Ah ouais, oui. Ah, j'avais oui, pas j'ai... vu. Je suis passé le niveau 13, j'ai vu une caméra têtière. Ah, attends, Garance, pour faire des sous, est-ce qu'on prendrait pas en photo dans le cercle d'invocation avant de partir? On prend les photos des filles, mais prends des allumettes pour quand on va se suicider. Comment ça, vous allez vous suicider? Bah, on va... on s'attend à ce que ça se passe bien. Mais t'as pas de place d'accord pour les prendre, c'est ça? Oui. Ok. Enfin déjà, je suis même pas sûr qu'on arrive jusqu'à vous. Hein. Vous avez des preuves ou pas? Ben, on a l'ultraviolet. Et c'est tout. Ok. Ça se passe pas très bien, cette partie. Et donc, du coup, maintenant, plus tu passes de niveau, plus tu débloques des nouveaux objets. Et au fur et à mesure, attends, les... tu... qualité tu... des objets... Tu veux vraiment parler pendant qu'on s'approche du fantôme et que je tends l'oreille pour l'entendre? Je suis désolée, j'ai super peur. C'est où la pièce là? C'est la deux... Là, tu passes l'autre porte au fond du couloir, et c'est là, c'est la première qu'on. Et elles sont là, les filles. Là-dedans? Y a... Ici, les cadavres sont là. Allez, je me casse, moi. Mais j'y vois rien, moi il fait tout noir dans cet asile. Moi je veux des meilleures lampes torches. Dans l'asile, c'est nos lampes torches quoi aussi. Ouais. Ouais. Est-ce que ça te dit quand même qu'on fasse le cercle d'invocation en mode baroud d'honneur? Oui. Attends, faut qu'on sache, on prendra cette porte pour fuir. Et on ira vers l'entrée. Oui. Je t'aime, Garance. Il est beau ce cercle. Ouais. Vous allez voir, il a une grosse hache. Et il est chauve. Ah, super, j'aime pas les chauves. Tiens, on a qu'à décider ça aujourd'hui. Non, je déconne. Et fait... Ah, tu... Il s'est éteint. Non, ça marche pas. Ça s'éteint, Garance. Comment on a je peux passer à travers? Pourquoi ça s'éteint? Pourquoi ça s'éteint? Avant, ça marchait très bien, les cercles d'invocation. Je sais pas, c'est qu'il est en train d'attaquer, c'est que quoi? Ah, il y a l'os, tiens, salut. Ah. Ah, là, tu peux l'allumer, dis donc. C'est un ordre à respecter, ouais, je sais pas. Garance, tu te sens comment? J'y travaille. Je mettrai bien celle-ci. Vas-y, je suis prête. Il y en a une qui clignote. Hein. Ah, moi, oh, sa mère! Je crois qu'il est laid. Ah! Il nous suit, là? Ah oui. Ah, je vais dans le bureau. Ah bah, je crois que c'est sa destination aussi. Ah non! Ah si. Ah non. Si, je l'entends. Ah si. Ah putain, il m'a bouffé à travers la porte, quoi. Pourquoi tu t'es pas mis derrière le meuble, chérie? Je m'étais dit, je vais rester derrière la porte pour essayer de lui refermer la porte sur le nez, mais il est passé à travers. Le truc, c'est que j'ai plus mon appareil photo. Bah, je l'ai pas. Ah. Je sais pas où est mon appareil photo. Je vais rentrer, je vais venir te prendre en photo, Garance, j'arrive. Non, je peux pas. On a un problème, c'est fermé. Ok, je te dis s'il vient vers toi. J'ai vu Garance se balader au loin. Non mais sinon, effectivement, pour qu'Ulver reprenne ses marques, on peut faire une petite willow, tranquille, après. Oui, un truc plus simple. Hein, parce que même moi, faut que je reprenne mes marques. Hein. Alors, l'asthmatique a l'air toujours à la cave. Ouais, moi, la porte veut pas s'ouvrir, hein, par contre.
Putain, laissez-moi sortir! Ah, il est dégueulasse, ok. Ah, oui. Alors, je vais chercher l'appareil photo, je te prends en photo, et puis je redescends pas. Hein. Je veux dire, là, il y a un moment, faut arrêter les conneries. Hein. À 2%, hein. Ouais, ouais, ouais. Non, non, mais... Il lui reste de la tête? Mais non, c'est quand on est à 0, ça aussi, entre 0 et 3, quoi, souvent. De toute façon, après, Garance avait balayé. Non, Léa, c'est pas le bon mot. Balancer un dot dans la pièce qu'on pense où il est, donc ça te permettra de regarder vite fait. Oui, voilà, je vais regarder en étant dans le camion. Bisous. Je m'envole. écoute, on a j'ai 3 cadavres, un os et un fantôme 3 étoiles. Je pense que... C'est pas si mal. Pour les photos, on est sur de la qualité. Hein. Alors, par contre, pour la partie, un membre de l'équipe échappe à l'entité pendant une chasse, on s'est bien chié. 7 et c'est quoi? Ah oui! Alors là, il y a une caméra qui. Ah bah, ça doit être la caméra de ta tête qui regarde du rien. Je sais pas. Peut-être. Écoute. Je ne vois pas de dots. Hein. Ah. Ni de d'orbe. On n'est pas bon. Hein. Du coup, on n'a rien eu d'autre que les yeux ultraviolets. J'ai l'impression qu'on a baissé super vite un démon. Non, moi je pense pas. Qu'est-ce que. Moi je vais mettre un fantôme. Qu'on n'a pas vraiment on n'a pas testé la spirit box dans la pièce tout seul. Donc, je me dis que ça peut être ça et ça serait le dots avec. Et bah peut-être qu'il y a du dots mais on le voit pas. Bon, allez, on va faire un truc plus facile hein, avant d'arrêter, hein, parce que bon. Stuck, vous me dites quand je peux démarrer la tutu. Ouais, vas-y. Ouais, c'est bon. Ulver aussi. Attends, je regardais juste. Ouais, ouais, ne me prends ton temps. C'est justement pour savoir quand tu es prête. Ouais, je vais mettre fantôme aussi, je vais suivre. Voilà. Donc c'est quand pour voler. Tut tut. Et donc quand j'imagine qu'il peut y avoir des gens qui font le l'asile en grand, tu vois. Non non, et moi l'asile en grand en fait tu merdes des choses, un Nova qui va très bien. Bah, oh, c'était rigolo au début quand on le faisait quand même. Non, moi j'ai jamais rigolé là-dedans. Non, mais une petite Willow. Les Willow, c'est tout doux. Ah, moi, ça me va. Attends, je vais voir si j'ai des choses à rajouter. Bah, il fallait peut-être mettre des allumettes en plus. Il n'y en a plus qu'une dans le camion. Je le tour de... Attends, je suis en train d'ajouter. Le seul truc qui manque, moi, c'est le truc que j'ai pas. Le sel, on peut pas. Bah, si, le sel, il est où? Pourquoi j'ai pas mon sel? Le sel. Bah, oui, du sel, j'en ai. Ajouter, je sais pas. Moi, j'achète. Voilà, ajouter tout. Moi, ce que je voudrais, c'est qu'on ait. J'ai quand même l'impression que les médicaments de premier niveau, c'est des bouteilles d'alcool. Hein. Ouais, ouais, mais ça va le faire. Faut y croire jusqu'à bout. Médicaments de santé mentale, un shot de vodka. Ça calme. Hein. Faut que t'es couché, tu flippes plus. Ok. Ah, mais oui, il nous manque plus que l'encens et les médicaments là. Ouais. Ah. Est-ce que la petite... Ok. Oui. Normalement, on m'entend plus dans le jeu, c'est ça? Je pense pas qu'on t'entend. Non, je crois pas. Ok. Ouais, c'est bon, j'ai réussi. Pouf. Vous êtes prête? Hop. Ouais, c'est bon, pardon. C'est moi qu'on voit. Mais moi aussi, j'étais pas prête. Oui, ça on peut même parler pendant les chargements, quoi. Oui. Et je peux vous faire danser le limbo dans le camion, les filles. Allez, allez, bougez-moi tout ça. Limbo, limbo, limbo. C'est moi qu'on attend, j'imagine. Ouais. Mais pendant ce temps, c'est étonnant, dis donc. J'ai fait danser. Les squats. Hop là, les squats. Hop là. Hop là. Et franchement, ça va mieux qu'avant, les vertèbres. Hein.
Avant, c'était vraiment des angles droits. Hein. Oh là là, Garance. C'est que tu veux t'essayer d'embrasser le sol. Littéralement. Oui. Et la grenouille. Donc, ceci est un jeu d'horreur, n'est-ce pas? 1, 2, 3, 4, nous y voilà. 1, 2, 3, 4, nous y voilà. Donc, c'est quoi les. En tant que niveau 1, là, c'est quoi les trucs, les objets les mieux pour savoir où est le fantôme? Alors, moi, je dirais l'EMF. L'EMF, ouais. Le tube pourri devant là, voilà. C'est des appareils photo. Okay, du coup. Okay. Et dans les trucs que j'aime bien, il y a l'antenne parabolique qui du coup fait que tu n'entends que le vers le droit où tu te diriges en fait. Mais il y a que Garance okay. qui aime bien cet objet. Non non, il est pas mal je trouve aussi. Hein. Ah, moi, et du coup le thermomètre c'est vraiment devenu un truc nul pour le moment quoi. Ouais. Oh terrible, c'était ouais, le bah oui, j'étais toujours thermomètre en premier. Donc, ouais, voilà. Toi t'étais ouais. thermomètre et moi j'étais EMF et voilà. J'ai un nouveau chouchou dans mon antenne parabolique. Okay, je vous laisse prendre des trucs et puis je me servirai après. Benjamin, moi j'ai pris appareil photo et lampe, je pense que je prends en troisième. Ouais, mais donc du coup je reste quand même toujours avec mon thermomètre et ma lampe, mon truc directionnel. Bah je prends je prends une caméra. Un EMF. Allez, je vais prendre un EMF et je laisse l'autre à Ulver. Oui, let's go. Ça marche. Donc Benjamin, il parle à tout si le monde. Si j'y arrive, voilà, hop. Ok. Ouais, crucifié d'avance. Et on espère tous que je vais avoir les cartes de tarot. Non. Elle est taquine, cette petite. Dans ta vraie nature, ça. Un connasse, putain. Je me venge pour la mort injuste. C'était pas injuste. Une petite maison. Mais oui, c'est la petite. Et ça va, il se calme le singe là. Ah, les cartes de tarot. Non, c'est pas les cartes de. Ah, il y a une porte. Ah oui, non, c'est qu'on est quatre. Ah oui, elle s'ouvre comme ça. Ok. Hop là. Ah, bon, bah, direct. Direct. Et ils ont travaillé les pots de peinture, non? Il y a plus de détails qu'avant dessus. Moi, je sais pas. Il y en a un bel arc-en-ciel. La lampe, elle sert bien, c'est un truc de fou, hein. Alors, c'est la poupée vaudou. Je vous le dis. Moi, j'y touche pas. Si quelqu'un a envie d'y toucher, faites-vous plaisir. Bah, c'est où? Dans la chambre bleue. Dans le placard de la chambre bleue. Ça m'amuse, hein. Je comprends pas alors. Ouais, moi je comprends pas, mais je tout à l'heure, voilà, si c'est dans le plein cœur, ça déclenche une chasse, et si c'est tout d'un coup, ça. Ça te tue. Ça pue du cul aussi, voilà. Voilà, c'est une bleue dans le corps. Ça fait juste du bruit et des réactions. Hop, dans la jambe. Ah, dans le cœur. Ah, en bas, j'ai un EMF qui. Oui, Léa vient de lancer une attaque. Attaque. Eh ben, je viens de me faire mouiller dans ma cave. Ah, il attaque ? Ben oui, dans le cœur, on t'a dit, ça lance une attaque. Ben ouais, mais comme il se passait rien, j'ai cru que ça avait pas marché. Ah, désolé, Garance. Voilà. Ok, donc du coup, il est en bas, c'est ça quand il attaque, ça compte pas le MF5 ? Non, non. Le MF, il compte que quand... T'es où, Garance, chouchou ? Laquelle ? Tout au fond, derrière les poubelles, tout au fond. Ah, on fait de la buée, ici. Pouette, pouette, pouette. Ah oui, dis donc. J'arrive te prendre en photo, chérie. Non mais t'as l'air paisible dans ton sommeil, et c'est le principal. Attends, je vais essayer d'utiliser... Je sais pas si t'avais chopé un bruit avec... Non. Allô ? Il s'appelle Benjamin ? Ouais. Benjamin, où êtes-vous ? Ouh là là ! Il a fait du bruit, là, j'ai eu peur. Oui, en effet, il fait 4 degrés ici. Ah ! Êtes-vous proche ? Pourquoi j'ai Pourquoi j'ai la radio qui grésille ? Ah, mais il attaque. Mais oui, il attaque. Mais je suis coincée, moi, dans une pièce. Laissez-moi rentrer. J'ai plus envie de il fait du surplace. Mais moi, j'ai l'abri de radio qui grise. Ah, ça y est. Oui, moi aussi. Oui, c'est bon. Ouais, mais je pense que c'était parce qu'il attaque, là. Non, il a juste fait du surplace, il a pas bougé. Mais oui, j'ai ouvert la porte, hein. Je vais chercher du matos. Êtes-vous proche? Ah, c'est toi, Garance, qui lance. D'accord. Où êtes-vous? Assister à une apparition. Quel âge avez-vous? Il est à zéro, panique pas, tout va bien. Êtes-vous amical? Je ne crois pas. Benjamin, où êtes-vous? Ici, ça descend. Ouais, ok, c'est cette pièce-ci. J'arrive. Où je suis. J'ai mis des détecteurs de mouvement. Enfin, j'arrive avec des détecteurs de mouvement. Ouais, je suis en train de descendre en dessous de zéro, donc déjà, on peut mettre température. La numéro 1 ou la...
Ok, je m'en ah vais. Oui, je l'entends. Bah oui, il attaque, oui. Ah c'est oui, la spirit merde, box. Faut courir. Ah, tant pis. Oui, mais j'étais sur mon journal, donc... Oh là là. Je vais mettre un hop, voilà. Mais il m'a parlé dans la spirit box ou... Je sais ou pas. Je pense pas, ça te... Ok. Coucou. Tu l'entends bonjour. Maintenant, la spirit box, parce que ça fait vraiment une voix robotique. Bon, bon, tu peux pas te planter, quoi, quand il te parle dedans. Voilà, il m'a susurré des trucs à l'oreille gauche et tout. Hein. Ah oui, non, ça c'est juste parce que c'était toi et t'étais là, quoi. Attends, ton cadavre, il bouge un peu. Ouais, mais je vais rechercher un appareil photo pour prendre encore ouais, des c'est photos. C'est mon côté lézard. J'ai ma spirit box, puis je vais prendre voilà, ma j'ai fait une jolie tour de peinture. Eh, ça tient Ah, Walia, t'as plus de tête. Oh là là, mais ouais, là, ouais, je suis en train de partir, j'ai là. J'ai fait un Jenga dans la cave, tout va bien. Bah ouais, mais en même temps, moi, ça fait deux fois qu'il attaque et que je me planque à moitié dans sa pièce parce que je comprends pas qu'il attaque. Bah oui, mais moi, en plus, c'est ça, je comprends pas. Je vous trouve super sereine sur les attaques. Et en plus, tout à l'heure, quand je vous ai dit j'arrive pas à ouvrir la porte, je croyais qu'une de vous était planquée. En fait, juste que j'arrivais pas à ouvrir la porte parce que je jouais dans le mauvais sens. Donc bon. Tu dis s'il attaque Moi, je prenais des notes dans mon journal et il m'a tué. Écoute. Là, il attaque pas, mais je vais rentrer putain, moi mais aussi. Ça va pas de me dire ça. Il est à zéro. Quoi? Mais non, mais j'ai vraiment cru que. Enfin, j'ai retenu là, il attaque, tu vois. Enfin. Ah, pardon, je me comprends, tu vois, c'était compliqué. T'as... Là, il attaque. Ah non. Il ouvert, chante hein. Aussi. Oui, il chante. Il chante. Non, non, il fait semblant. Hein, ouais, bah il vient de fermer la porte du. Non, mais ça va pas bien, il cherche la marade. Ouais, mais. Il veut qu'on se tire l'oreille direct. Hein. Mais c'est drôle, Ulvert, parce que j'ai fermé mon journal juste au début de l'attaque en me disant, bah non, je vais pas crever comme ça, mais. Bah écoute, je l'ai fait à ta place. C'est beau. Ok. Oh, l'instinct de survie, il est pas là. Hein. Nouvelle façon empiler des dés de peinture. Ça se trouve, c'est ça qui l'énerve, hein, Garance. Tu nous l'énerves, là. Arrêtez de me l'énerver. Arrête de jouer avec ma peinture. Mais oui, il y a que deux doses de sel maintenant dans un. Oui. Il y a trois... J'adore ce que je pose la question à chaque. Moi aussi, je pose la question à chaque truc. Mais il y a que deux doses de sel. Oui. Moi, c'est que je prends jamais le sel d'habitude. Mais... Attends, reste en bas, hein, j'arrive. Ouais, je suis là, je regarde les empreintes. Il y a R. Bien, ah, il a marché dans le sel. T'en as pas regarde le thermomètre et je regarde ta tête en même temps. Bah, ça. J'ai pris une caméra. Je vois que Monsieur avait décidé de fermer la porte. Mais oh! Êtes-vous amical? Super amical. Êtes-vous hostile? Êtes-vous là? Mais sinon, viens, on va vérifier où ce que ça peut être. Maintenant qu'on a deux indices, ça se trouve, il n'y aura pas du tout de MF, tu vois. Putain, deux indices. Oh, bah, il mange un crucifix. Ah, bon, je prends un appareil photo. Oui, je vais reprendre un appareil photo. Non, non, mais je vais le prendre, t'inquiète. Parce que tu vois, il y en a un dans l'entrée, là, mais je sais pas s'il reste des photos dessus. Alors. Oh là 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 là. EMF. Et Glagla, c'est non, ça? Non, bah non. Non, non, non. C'était... Si, c'était ça, EMF. EMF et Glagla. Il vient de faire bouger la caméra, là, non? Ah oui, des fois, il renverse les caméras. Ok. Non, mais ils sont ultra impolis, quoi. Et pardon, vous avez eu d'autres preuves, là? L'EMF et les températures, on a. Ok. Mais pourtant, il y a des orbes. Donc peut-être que... Ben non. Alors ça veut dire qu'il y a un truc qui est faux. Parce que là, il y a une orbe devant moi. T'enlèves les orbes. Les jumeaux, c'est quoi? Ben les jumeaux qui feintent? Non, justement, c'est le mimique. Et le mimique, il peut pas y avoir de MF. Après, j'ai eu le MF à 5. Bon, et c'était pas pendant une attaque? Non, non, il attaquait pas. Parce que les orbes, là j'en suis sûr qu'il y en a une qui passe. Ah, il y a une petite pointe à 10, mais c'était pas une attaque parce qu'on a pu sortir sans problème. Je suis bon. Ouais. Et température glaciale, on en est sûr aussi. Je vais regarder de nouveau un thermomètre. Mais... Parce que là j'en suis ça sûr. Ça tombe que... vite pour une orbe, hein. T'es sûr non, que non. C'est pas un bug? Enlève ta lumière. Ouais, non, non, mais je les vois au plafond. Hein. Parce que moi c'était à droite, c'était. Non, ça. Ce qui tombe là, c'est l'ampoule qui a pété, je pense. Mais moi, je voyais un truc à droite qui a disparu. Ah, bah, c'était peut-être ça que j'ai confondu, t'as raison. Oh là là, mais quel enfer. Bon, écoute, faut qu'on aille voir ce que c'est dans tous les cas. Allez. T'as quoi, toi, là, sur toi? Moi, j'ai pris un autre carnet, une autre caméra. Mais je vais peut-être poser le carnet, parce qu'il y en a déjà un. Je vais prendre l'appareil photo et une caméra. Ok, bah, je garde mon truc que tu as. Bah, là, il va se détendre de suite, en fait, quoi. Et Benjamin, un... tu te calmes, hein. Un truc vert. Gamin.
Dot. Salut, Buck Rogers 02. Bonjour. Hello. Et il s'est calmé en fait parce que moi je taille ma route. Mais j'en sais rien, moi je suis pas calmé. Hein. Ouais. Je suis très très fier de moi, j'ai fait une tour magnifique. Oui, mais tout à l'heure il a renversé ta tour. Hein. Ou toi tu l'as renversé, je sais pas, mais quelqu'un a renversé la tour, elle est quoi. Il vient de manger un deuxième. Il faut arrêter ça tout de suite, Benjamin. Non. Il a très faim, Benjamin. On est sûr que ça se trouve, c'est qu'on l'appelle par le mauvais prénom. Mais non, on est sûr qu'il s'appelle Benjamin. Par contre, où est le thermomètre? Ah ouais, on est à moins 10. Le froid, on en est sûr. Et j'entends le MF, mais il est où? Le MF, moi, il est qu'à 4. À 3, 4. Allez, Benjamin. Ah, okay. Benjamin. Ok, excuse-moi, Benjamin. Je suis désolé, Benjamin. Okay, je suis désolé, Benjamin. Je peux plus courir, je peux plus courir. J'ai peur. Ah non, bah, c'est pour moi, et j'ai pas. J'en ai rien à foutre que ce soit pour toi. Non, c'est pour ah moi. Ah ouais, sympa. Non, je l'entends, il est tout près. Mais quel jeu de merde. Pardon. C'est fini là, non? Non, je l'entends encore, bouge pas. Ah d'accord. Il fait dans mes oreilles. Il fait super bien. Ah oui, j'entends la radio là. Il se rapproche de chez moi. Ah oui, oh là. Monsieur? Mais là, ça vient de s'arrêter brusquement, ouais. C'est fini de ouf. Je vais voir. Mais moi aussi, je suis fini de ouf. Hein. Mais vas-y, il a renversé les assiettes en plus, il m'insupporte. Mais il y a peut-être un truc à se dire si dès qu'il t'approche d'une pièce, il fait fonctionner les appareils électroniques et il fait... Bah, je me disais peut-être un jean, mais je sais pas, attends, on va regarder. J'ai mis une deuxième caméra, voir s'il y avait des... Ah, il a renversé ma caméra. Ah, le bâtard. Ah, ma caméra, on y va plus vert, quoi. Parce que là, on est censé voir des orbes, là. Bah, tout à l'heure, même morte, je peux voir ou pas? Non, tu peux pas les voir. Non, tu pourras pas. Et en fait, je sais pas, mais... L'ampoule, elle a pété ou pas dans cette pièce? Je sais pas. Mais moi, je trouve que ça tombe vite pour des orbes, quand même. Ah, oui, ça me fait plus penser à ton ampoule pété que... Oui, mais est-ce que l'ampoule, elle a pété dans cette pièce ou pas? Bon, dans tous les cas, on a température glaciale, on est sûr. Tu dis... Parce que, effectivement, ça pourrait être un jean, hein, sinon. L'ONI aussi, hein. Quand tu dis leur force... Ouais. Et le date, c'est dans mes mains, on n'a pas eu le temps de le... Parce que moi, je dirais que ça peut pas être une ombre. Une ombre, c'est trop chouchou. Non, ça sera pas une ombre. Moi, je vais mettre Oni. Hein. On valide pas le... On va essayer pas de remettre un truc. Bah, on peut, oui, si tu veux. Je vais retenter une dernière caméra. J'ai mon truc Dots hein, qui attend. T'es où, chérie? Je rentre. Attends, moi. Je sors. Je vais remettre une caméra qui va pas tomber cette fois, j'espère, sinon je casse tout. Allez, dites à ma femme que je l'aime, quoi qu'il arrive. Ok, il est vénère, il est en train de détruire ma tour de... Comment ça il est vénère? Il va attendre avant d'être vénère. Il est en train de jeter mes pots de peinture. Ah oui, ok, c'est que ma caméra était dans la porte. Ah mais il non, a fait un beau dessin. Si, il a fait un beau dessin. Ah oui, going machin, mais fuis. Ben, je suis en train. Ah oui. Mais c'est qu'il me parle quand même dans les petites oreilles. Mais moi aussi, il me parle dans mes oreilles. Ouais, mais il va plus vite que moi, le con. Ah bah oui, il m'a tué en chemin, mais... enfoiré. Pardon? Ah mais non, mais j'ai encore jeté... Ah non, mais j'ai fait de chier, là. Bah, j'ai couru, hein, mais on peut pas courir beaucoup. Allez, c'est bon. Un bisou. Alors, je vous confirme que la lampe, elle a pas jamais pété dans la pièce. Donc, je vais remuer une caméra, je vais regarder. On sait qu'il y a des petits livres, c'est ça? Dans la cuisine. J'ai l'air moins paisible que Garance. En fait. Donc, attends. Température glaciale et écriture. Démon revenant. Et EMF. Mais EMF, t'en es sûr. Ah oui. Ok. Donc c'est une ombre? Non. C'est bizarre. Mais moi je suis sûr d'avoir vu une pointe à 5. Et moi, vous êtes sûr qu'il n'y a pas d'orbe? Orbe, ce serait le revenant. Pas... Le revenant, ils disent quoi? Ça court vite. Il te bat à la course. Elle voit pas les photos. Ouais, non, mais tout à l'heure, on l'a eu, il courait vraiment. Là, j'ai pas entendu des. Ah, c'est du juste coup, moi sans, qui était sans la lumière de leur lampe, c'est pas évident de voir les textes. J'ai pu voir le contenu du bouquin au moment où elles sont passées à côté, en fait. Ah, ok.
Parce qu'on est, on est sûr dans, d'avoir écriture et température. Tôt, et ça fait démon revenant ombre moroï. Donc si c'est le MF, c'est une ombre. Ce qui est bizarre parce que normalement ça émet tout seul. Et si c'est des orbes, c'est un revenant. Après, je suis d'accord, elles sont cheloues, mais il y a non mais j'ai du pierre qui tombe, mais elles sont cheloues. Bah avec ta nouvelle caméra, là, et le dot, tu y a, on voit rien. Non mais c'est, non, c'est de la neige qui tombe. Je pense que c'est du bug de neige. Vu comment ça tombe. Il y a ça de fait... la neige dehors. Ah bah non, je suis con. Si, neige dehors. Ça tombe sur le même rythme, donc c'est peut-être un bug graphique. Attends, le MF, ah, il de, je pense que c'est la neige qui... Ah non, 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 là j'en ai vu... Non, mais je sais pas. Là j'ai vu un truc chelou. Putain, je deviens j'ai vu quelque chose rem... J'ai vu quelque chose remonter. Moi aussi, j'ai vu quelque chose remonter, là. Ah non, non, il y a des... Y a... Je suis pas sûre. Y a... En fait, il y, des... y a des flocons de neige qui vont à l'envers, des fois. Ça fait orbe. Bon, je ne sais pas. Donc si c'est... C'est vrai que les orbes, d'habitude, elles sont assez lentes. Bah oui, ouais. Bah oui. Après, sinon, c'est, voilà, si c'est le MF, c'est que c'est une ombre super vénère, mais une ombre. Voilà, je... Bah, moi, je reste sur ombre, après, si vous voulez mettre autre chose... tu veux refaire un tour, si tu veux venir me prendre en photo... Ah oui, non, je t'ai pris en photo, chérie. Ah. Je vous ai... J'ai encore tous vos cadavres en photo, c'est une passion. C'est... Bizarre, bizarre. Oui, clairement. Je vote pour une orbe aussi. Allez, on démarre le tutut. Ouais, c'est bon. Une verte est prête. Après, moi, il y a... Oui, les... oui, j'ai mis ombre, du coup. Fin... Ouais, ouais. On a tous les objectifs, c'est cool, ça. Oui, mais ça serait bien chat, de pas tous mourir. Oui, ah, j'essaierai de pas regarder mon bouquin pendant qu'il est en train d'attaquer. Et dans le chat de notre vocal, j'ai mis deux petits screenshots, je sais pas si ça va se voir, mais c'est trop drôle parce que le projecteur dot, ça fait des yeux sur le cadavre, ça fait une espèce d'ombre où on voit le cadavre, je crois que c'est le mien en plus. Ah, et il ouais. y a le, d'autres trucs qui sont pile sur les yeux, et c'est trop bizarre. Donc je découvre qu'on a des petites chattes dans les canaux vocaux maintenant. Oui, maintenant. Et c'était, oui, bien, les... c'était bien d'un revenant. Ah, voilà. Ouais. Non, d'un revenant. C'était... Comment on voit le petit chat dans... Alors, quand t'es sur le canon... Ouvrir la discussion, voilà. J'ai trouvé. Ah oui, putain, voilà, ça voilà. fait de vous des yeux, c'est trop flippant. C'est plutôt stylé, ouais. Souhaitez-vous en faire une dernière, Ulver, ou arrêtez là? Je vais en faire une dernière, parce voilà, que c'est bah, très sera... cool. Je vais essayer de pas crever. Alors, est-ce qu'on prend une... Tu choisis le lieu où tu veux aller. Une ferme, une maison. Sur la carte et puis mettre un petit post-it. C'est ça. Sur une endroit, ça va être mettre un petit post-it. Je ne me rappelle pas trop des trucs. Après, tu peux nous demander si tu veux savoir. Il y a trop. 16 pièges, je crois. C'est pas mal, ça. 3 étages. Ouais, la petite Edgefield. Elle est choupette. Hop là. Bah, faut que je rachète du matos. Again. Ah, bah, j'ai moins de sous. Ah bah oui, à force. Mais alors moi par contre ça va. Donc je vais mettre. J'ai mis... Attends, est-ce que j'ai mis des trucs? Ah j'ai des... Mais si je l'ai le micro en fait. Par contre je comprends vraiment pas comment marche la nouvelle... La boutique c'est compliqué le ah démarrage. Ouais, mais même moi j'appuie un peu au pif. Hein. On fait tout ça. Genre en mode off, on verra. Là c'est de l'équipement, c'est ce qui... Donc non, si en tu orange possèdes... c'est ce qu'il y a dans le camion. Le chiffre qui est en gris, c'est ce que toi tu possèdes. Le chiffre qui est en jaune, c'est ce qui a déjà été chargé dans le camion. Voilà. Et là, le camion est plein, les enfants. Il dégueule. Et dans le camion, quand tu vois... toi, je suppose que t'as que des losanges noirs, mais des fois, t'as des losanges noirs avec un trait en dessous. Ça veut dire que c'est toi qui as mis cet objet-là. D'accord, ok. Mais il n'y a que chez moi que le verre est plus sur la partie. Non, j'ai eu un petit bug. Je crois que j'ai eu un crash internet de quelques secondes. Nous allons entendre. J'arrive, je me dépêche. Oh bah t'inquiète pas. Mais il y a eu le temps. Hop. Bah maintenant c'est pas moi qui me lève. Hop là. Let's go. Un lapis, voilà, inspecteur Ulver. Pardon. Yay, c'est moi.
Hop là, après. Du coup, est-ce qu'il y a besoin d'acheter des trucs éventuellement? Non. Pour l'instant, le camion est plein. Ok, ça marche. Bon, bah, souris. Oh bah, t'as souris de quoi? T'inquiète pas. J'avais un petit peu d'argent, j'aurais pu participer aux frais. Mais l'argent rentre un peu plus facilement qu'avant, du coup. Mais je pense j'ai l'impression, oui. Mais parce que notre matos, c'est merdique. Les niveaux de matos, ouais, ça c'est ça. Va être différent. Bon, allez, j'aimerais bien jouer. Je vais essayer d'utiliser mon cerveau cette fois-ci. En même temps, c'est là, franchement, je trouve que ce soir, ils sont vraiment énervés, hein. Oui, parce qu'on a eu des... On a eu... jeudi soir, ils étaient plus calmes que ça. D'habitude, je meurs pas autant, en vrai. Non, d'habitude, c'est moi. Non, c'est kiff-kiff, c'est une... On se répartit les morts, quoi. Mm-hmm. C'est pas tout le monde qui meurt. Mm-hmm. Il parle à tout le monde. Bah allez, moi, je vais prendre une spirit box. Genre... Eddie Ramirez. Je vais tester Eddie... le truc parabolique là. Hop. EMF. EMF. Et... Ah, éteindre une bougie, une lumière à feu. Ah, la traduction française. Ouais, la lumière à feu. je vous attends devant la porte, hein. J'ouvre pas tant que tout le monde est pas. 1, 2, 3, 4. Ça y est, mes canetons sont là, on est parti. Les Wong. Bonjour, on est Eddie. En quoi? En intermédiaire. D'accord. Eddie, vous êtes amical? Où êtes-vous, Eddie? Ah. Eddie. Ah, j'ai une petite activité en haut. C'est peut-être la pièce d'à côté. Là, je suis à 3. Eddie, c'est où peut-être... êtes-vous? Eddie. Bonjour, Eddie. Peut-être dans le Eddie, couloir. Où êtes-vous? Donc, plutôt à l'étage. Êtes-vous amical? Ah, il y a une colonne vertébrale là. Allô, voilà. Allô. Êtes-vous amical? Êtes-vous une mythe en pile au vert? Bonjour Eddie, est-ce que vous êtes là? En pile au vert. Où êtes-vous? Pile au vert. Pile au vert. Bon, j'ai posé la spirit box, je vais chercher l'objet maudit, moi. Là, j'ai plus d'activité. J'en sais vraiment quand tu es rentré tout à l'heure, il y a eu un droit, mais là, il veut plus. C'est peut-être là. Hein. Parce que je suis sûre qu'on me cache qu'il y a des cartes de tarot. Eddie, un petit peu d'activité, là? C'est pas bon. Le... Où êtes-vous? T'as trouvé les cartes de tarot et tu les as cachées? Elles sont dans un tiroir, je te dirai pas de faire. Ah, je les ai trouvées! j'ai les cartes. Ah! Et il attaque pas. J'ai les cartes de tarot dans la main, par contre. Hein. Ouais, c'est bon, je me cache dans un placard. Il était où? On sait que ça marche, mais. Uver, restez pas ici si j'ouvre les cartes de tarot. Allez prendre l'air. Enfin, ou en bas. Et ça fait cool les cartes de tarot, ça a l'air trop cool. Non. Alors, mais si tu veux, tu peux rester dans la maison, mais c'est dangereux. Les cartes de tarot, donc. Ah, il attaque! Ah, bon, bah je suis dehors. Oh, je vais pas mourir la première, peut-être. Moi, je suis dans un placard. Ah, bah oui, mais c'est bon, il m'a tué. Les cartes de tarot. Mais je croyais que tu étais caché. Ben oui, dans un placard. Ok, mais pas dans sa pièce. Mais t'as tiré la mort et la truc qui chasse. Non, la mort c'est celui qui chasse, c'est pas celui qui tue quelqu'un. Ça chasse. Et ben je suis morte quand tu montes les escaliers, la première chambre à droite. Voilà, si un jour quelqu'un me prendra en photo. Ah ben il re-attaque. J'ai pas l'appareil. Ah merde. Oh là là, Hubert, oui, je vais mourir là. Oh putain, il trace la mer. Mais c'est Garance qui m'a dit de continuer à tirer les cartes. Chut, Garance, elle m'a dit continue. Je vais jamais réussir à jouer sur un truc de ouf. J'ai aucun instinct de survie. Ah, sinon, vas-y, on met un fantôme au pif, on en recommence une. Hein. Oui, ouais, on va faire ça. On vient juste de la commencer, celle-là. Donc, c'est ça. C'est vrai. Moi, je pense que c'est il un est revenant. Vénère, on va dire que c'est un démon. Moi, je dis que c'est un revenant. C'est lesquels qui courent vite? Un revenant. C'est les revenants qui courent vite. Ok. Ouais, écoutez, moi je laisse les cartes à Ulver la prochaine fois. Ulver. Mon gars, il t'a tracé dans les escaliers avec sa petite faucille là. Mais je tiens à dire que moi j'avais arrêté de tirer, Garance, ça m'a dit vas-y, finis de tirer, donc je pensais pas qu'Ulver était dans la maison. Et deux objectifs quand même. Hein. Garance, t'es où? Ah, je pensais que t'avais fini de tirer les cartes, que bon, la mort de
de Néris, du coup, c'était... Non, en fait, t'as... Ah non, non, elle s'arrête jamais, hein. Tout le monde peut mourir, qu'elle continuera à faire ses cartes, hein. Oui. Après, je suis toute seule, je vais pas réussir à y aller. Mais j'ai pas tiré la carte qui nous one-shot. Ah bah c'est un revenant, décidément, ce soir, c'est la fête. C'était cas, Dino. Tu... On aurait dû quand même, avant de quitter, en fait, que vous nous preniez en photo. Ah merde, oui. Bon, c'est pas grave. On n'a pas pensé. Bon, je remets cette grave. Maison. Voilà, je ne touche plus à rien. Je vais... Bah, vous avez déjà tout rempli, je peux rien à remplir. C'était un revenant. Mais oui. Mais garance une heure après. Oui. GG. Le feeling. Oh, waouh. Ah ben, celui qui court à toute vitesse, revenant. Et okay. Le camion est plein, j'ai rien eu à mettre, donc quelqu'un a tout rempli, c'est pas moi. Parce que tout à l'heure, moi, j'ai rien touché, c'était comme ça. Voilà, les trois, il y a beaucoup d'objets à moi, mais. Bah, moi, il y en a aucun. Moi, il doit refiler automatiquement, tu vois, à chaque fois. Il y a, moi, y a coup, beaucoup de petits trèmes, c'est pas grave. Bah, c'est pas grave, c'est moi qui rincerai la prochaine fois. Oh, ouais, mais là, j'ai... puis tu sais, dès que j'ai de l'argent, j'achète 40 fois le même objet. Ouais, moi aussi. Bon, la même, mais en plus les comptes. Bon, s'il y a des cartes de tarot, je les laisse à Ulver, comme ça c'est plus ma responsabilité. Moi surtout, ah oui, cette fois, je vais arrêter de vouloir être courageuse et de rester dans cette putain de maison quand tu fais ces putains de cartes. Et je sortirai dehors comme d'habitude. Mais j'avoue, mon premier réflexe a été d'attraper les cartes de tarot et de les foutre dans le tiroir et de fermer le tiroir. Oui, mais en fait, je t'ai gaulé en train de trouver un truc. J'ai dit non, elle me ferait pas ça, elle me les cacherait pas. C'est pas gentil de me brimer comme ça dans ma créativité. Judy. Judy. Ok. Fais en sorte qu'un capteur de mouvement échappé pendant une chasse. C'est parti. Alors, ce sont les cartes de tarot, mais si Ulver veut les manipuler, je lui laisserai. Mais elle prévient avant de commencer. Oui, oui, du coup j'ai compris que c'était un peu terrible. En fait, c'est moi, que... Ah, ici, 4. Où ça, 4 en haut, ah bah... à l'étage, dans la Alors, chambre. Alors, on peut se cacher ailleurs et faire les cartes de tarot si t'as envie. Par contre, je veux bien l'interroger si vous voulez sortir. Hop, ouais, mais je m'en vais, comme okay. Ça, si Ulver veut même faire les cartes après, moi je suis dehors. Je où êtes-vous bien, je suis bien. Ah non, il y a quelqu'un dans la pièce avec moi. Pardon, excuse-moi, c'est juste que je voulais voir, elles sont où, les cartes? Non, je te montre après, mais je voudrais lui parler avant. Vas-y. Où êtes-vous? Ce qui parle qu'aux gens seuls. Êtes-vous amical, Judy? Êtes-vous hostile, Judy? Souhaitez-vous que nous partions, Judy? Seule, c'est peut-être célibataire, hein, non? C'est pas. Allez, viens, je vais te montrer les cartes, tu vois. C'est parti pour une nuit en enfer. Sache qu'il y a une carte qui te one-shot automatiquement. Non, il y a une chance que ça arrive. Oh, let's go, bah, c'est sûr. Hein. Alors, elles sont là. Donc, il faut que tu poses ton objet, que tu les prennes et va te mettre à l'abri. On va aller les tirer dans un lieu sûr. Ok, J'ai pour gueuter. Donc, tu peux les prendre. Viens, on va se mettre là. Je t'accompagne. Vas-y, on va aller se mettre dans le placard qui est là. Il fait du bruit dans sa small blue bedroom. Regarde. Tu peux te mettre dans le placard ou devant et puis tirer des cartes. Et tu peux me dire ce que t'as dessus si tu veux que je te dise ce que ça fait. Ok, comment je... Parce que clique j'ai peur droit. De cliquer de... Clic droit. Oh. Non, merde, bah du coup j'ai... Ok, soleil, et après il y a eu un fou. Alors fou, ça veut dire que la carte est annulée. Vas-y. D'accord. Il y a un. The Wheel of Fortune. Ok, rouge ou vert? Vert. Donc t'as gagné plus 25 de santé mentale. Ok. Être à 100%. The Wheel of Fortune, full. Ouais, full, c'est qu'il fait sauter la carte, il l'annule. D'accord. Encore annulé. Bah décidément, il est chiant le full avec toi. The Wheel of Fortune, vert. Ouais. Wheel of Fortune, rouge. Moins 25%. Wheel of Fortune, rouge. Ça, The Tower bleu. Alors The Tower, c'est qui fait de l'activité à son étage. Ok. The Devil rouge. Je sais plus ce que ça fait. Ah oui, le Devil, c'est qui fait une grosse attaque. Une grosse activité, pas une attaque, pardon. Mais j'ai entendu un gros chien dans mes oreilles. The Moon. The Moon, t'es à 0% de santé mentale. Ah oui, je confirme. Et il y en a plus, c'est ça? Et il y a plus rien. Voilà, donc tu es à 0. Donc tu as aussi... Quand tu as Death, c'est qu'il fait une attaque. Si tu as le pendu, tu te fais
One shot. D'accord. C'est très très cool, j'aime bien. Je vais juste, s'il y a des comprimés, en prendre peut-être un. On n'a pas le niveau pour avoir des... Ah, il a... Ah, mais... On n'a pas de comprimés. Ouais, c'est fou. Tu montes. Elle voit, Mickaël. Attends, je pose ça et je sors. Il y a la cramée qui suffit. Elle vous hostile? Où êtes-vous? C'est une attaque ou pas? Oui. Oh merde! J'étais parti pour le prendre en photo. Oh là là, oh là, je suis pas au bon endroit. Ah mais toi non plus. Bah oui, non, bah non, mais... Non mais c'est bon, c'est bon. Je regarde un coin de mur, c'est bon. Ah, c'est toi qui es morte? Mais enfin, mais arrêtez de mourir le groupe, là. T'es morte où? Fabuleuse, j'ai jamais vu le design de madame. T'es morte où, Garance? Alors, attends, bon, là ça c'est un mur, je suis morte. Oui, va par là, tu continues. Mais non, c'est pas à moi que tu parles, je sais pas où t'es. C'est une verre. Parce que moi j'ai pris un appareil photo pour aller te chercher. Voilà, je suis dans la pièce en face, du coup. Dans la pièce... En face. Elle attaque encore, là. Je vais mourir. Je crois que je viens de la voir. Ah bah je suis avec ton gars. J'ai foncé dessus, mais je me suis débile. Ah oui, non mais vraiment, vous voulez pas vivre dans cette... T'avais pas d'appareil photo, Garance. Alors, elle attaque toujours ou tu es morte? Elle m'apporte. Tu es morte, tu es morte. Ah bon, ben j'arrive à prendre en photo. Oui. Ah ben je vois un cadavre au sol là, dis donc. Ah, je t'emmène chez Garance. Ouais, ouais, j'étais partie avant. Ah bon, ben je retourne avec le cadavre de Garance. Je sais pas où je suis. Je sais pas où je suis. Je sais pas. Ah, elle attaque. Ah, ah non. Putain, mais c'est pas vrai. Non, mais arrêtez de faire ça. Mais c'est pas possible. J'ai rien fait. Non mais là j'y suis pour rien de ce qui se passe. Moi je veux plus jouer hein. Ah c'est frustrant là. Bon bah Garance au moins son cadavre sans moi seul. Ouais. Elle a l'air de super bien savoir où on était. On a une preuve. Alors attends, interaction. Non on a rien. Ah bah ouais, j'ai encore 3 cadavres quoi. Il a non, marché mais... dans le sel. La preuve que c'est une petite garce. Tu parles pas de moi. Non, la fantôme. J'ai beaucoup aimé le... Oui. Mais moi, je me pisse dessus à l'idée de rentrer dans cette maison, vous vous rendez compte non, du problème? Non, mais en vrai, Judy, elle te kiffe. Ils te kiffent tous ce soir, les fantômes. Regarde, ils te tuent pas, t'es la seule toujours en vie. On m'a pas fait encore un full bed. Hein. J'ai compris l'appel du pied. Ok, du coup. Ah bah il écrit, oui, je vois bien qu'il écrit. Ah. Ouais, bah ça me fait, faut pas faire ça devant moi, hein. Moi ça me stresse, hein. T'es gentil, je suis en train de poser une caméra, le livre il fait tu. C'est long. J'ai oublié d'éteindre la spirit box. Ah mais je l'ai. C'est pas grave, je vais y retourner, tu me laisses respirer. Non, je te préviens juste que le bruit te fasse pas peur quand tu rentres dans la pièce. J'ai balancé 2 caméras, je regarde s'il y a des orbes. Mais en fait, comme je vois tout le monde d'envie, enfin de jouer les fantômes aussi, j'ai pas l'impression d'être morte. Ouais, ouais, mais en fait, moi depuis ce soir, j'ai bien l'impression d'être morte avec vous. et je peux pas dire, je suis avec vous dans la maison aussi, là, c'est même pas que je manque de courage, mais... Tu vois, là, je sais pas qui se balade dans la pièce du fantôme, mais... Bon, je vois... Ah, c'est vous qui jetez des objets dans ma caméra. Oui, non, c'est un fantôme à nous, ça. Ok, je... J'arrive, je rentre. Je vous aime. Il est à 0. Tu veux, je te dis à combien il est d'activité. Ah, il a des patounes. Il y a des. Qu'est-ce qu'il a fait ce bruit? Il est à 0. Ah, il vient de. Ah, j'ai pas vu ce jeu. Moi, alors, je vais dire que c'est un démon. À l'étage. Ah, mais moi, je suis dans la cave. Mais je ne sortirai jamais de la cave en fait. Ok. Preuve. On se promène dans les chambres. Ultraviolet. Ultraviolet et quoi? Elle m'a tué dans la cave. Mais oui, c'est un démon. Obligé cette agressivité là. T'es dans la cave? Ah oui, je suis dans la cave, ouais. Ok. Je ressors plus jamais. Hein. Elle est dans l'entrée. Elle a dit. Non, elle est dans la salle à manger. Plus jamais. Je suis même passée à travers, elle est dégueulasse. Elle vient de disparaître juste avant de commencer à descendre à la cave. C'est bon, c'est fini. Elle est à 1. Elle est à 0. Ah non, mais pourquoi tout est fermé? Non, je me suis perdue. Ils sont où les escaliers? Où vais-je? Dans quelle étagère? Là, voilà. La suite, là, c'est le bon chemin. Et moi, j'y retourne plus, hein. Merde, j'ai raté la porte. Voilà. J'avoue que je viens de voir une chaussure passer au travers de la porte. J'ai fait un petit malaise, hein.
J'ai tapé mon vagal, là. Alors, très bien. Échapper à une chasse. Mais on y travaille, vous croyez qu'on fait quoi, là? Ouais, alors moi, j'avoue que j'aurais bien quitté des aussi. Ouais. Vous voulez que j'y retourne, c'est ça, là? Oh, oula. Attends, je vais essayer de mettre un capteur de mouvement. Un EMF. Mais t'avais mis une caméra, non? Oui, mais il faut mettre un capteur de mouvement, il y avait écrit. Ah. Non, parce que déjà, t'aurais pu regarder si tu voyais des orbes. Ah, mais ça va pas te faire ça, le jeu, putain! Le crucifix a pris feu dans mes mains! C'était trop beau! Ah ouais, mais... Moi, maintenant, le crucifix dans les mains, ça marche vraiment! Putain, trop bien! Moi, j'étais pas prête du tout! J'ai vraiment pour faire des rétros satanas, quoi. Tu sais, moi, j'ai pris le crucifix pour le poser, il s'est enflammé dans mes mains, je t'avoue que... Je ne me sens pas très très bien. Du tout. Bah, j'ai bien le capteur de mouvement, elle passera pas devant, cette grognasse. Hein. Bah, elle est sous 2 minutes. Ouais. Regarde donc ta caméra en attendant. Et moi, je pense que c'est du glagla qui fait, mais j'ai pas le courage de regarder suffisamment longtemps le thermomètre. Ouais, mais t'as le temps qui passe dans le capteur, comme ça on vérifie. C'est chill. Y a pas d'orbe, moi, je vous dis. Il n'avait pas tout à l'heure. Pour moi, c'est un démon aussi. Pour moi, c'est un démon. Énervé comme ça, là, c'est un démon du cul. Il est terrible. On n'en veut pas. Dehors. Donc, il a le temps de manger mon crucifix, mais passer devant le... Hein, ça, il n'a pas le temps, là. Peut-être qu'en fait, il fait que piétiner les lits. Mais moi aussi, je pense qu'on est en négatif. Quand je fais de la lumière, j'arrive à voir quelque chose et... Ça me semble être plus bas que zéro, ça. Ah, il est passé devant. Il est passé dans le capteur. Moi, je parie sur un démon. J'adore ce que ton cadavre, il a l'air... le dernier cadavre que j'ai pris en photo, il y a quelqu'un de vivant avec. C'est horrible. Ah oui, c'était moi. Ah, c'est... Non, mais ouais, mais... C'est avant que je meure. C'est horrible, c'est la foire au cadavre. Ah, quelle horreur. Bon. Eh ben, écoutez, on peut démarrer. Oui, je pense. Essaye, Hubert, de jeter un coup d'œil sur le thermomètre par terre, mais je pense qu'il avait en dessous de zéro. Mais je croyais que vous le voyiez pas. Ici. Oh, je suis dans le caméra. Bonsoir, Babar. Ah, je vois des têtes dans la caméra, c'est trop drôle. Rien du tout. Vous vois vous accroupir, vous relever, vous accroupir, vous relever. Mais quel jeu de merde. Du coup, comment on peut faire de la lumière avec le bidule, du coup, j'ai l'impression qu'on est... On est suffisamment bas et qu'on doit être en négatif. Moi j'ai l'impression que subir plus de 5 attaques ça m'a suffi, j'y retourne pas. Donc ça serait un démon du coup? Oui, ouais, moi je pars là-dessus. Ça marche. Bonsoir. Ouais, je suis... Bon, et ben, écoute, on est ravis de t'avoir invité pour cette petite soirée calave qui est partie. Hein, bah ouais, c'était bien cool, désolé de ne pas pouvoir faire plus longtemps. Ah bah non, mais nous non plus, ça va, on va arrêter, ah, je pense. Plaisir. Oui, pour ton cœur, je pense que... ce n'est pas pour moi. Un démon. Et t'es à combien du niveau 16, là, Mia? Ah bah non, t'avances pas vu que tu meurs. Oui, pardon. Oh, la violence. Non, mais c'est un fait. Enfin, moi, je te signale que... 91 sur 1164. Moi, j'ai débloqué l'encens. Moi, sur 3 ou 4 morts, il y en a 2 qui sont à cause d'une certaine personne qui voulait absolument faire les cartes de tarot. Je suis pas responsable. Mm-hmm. Je ne suis absolument pas ça. Écoutez, moi j'ai 4 000 $. Bah non, mais achète des choses. Mais j'ai tout acheté, je peux plus rien acheter là. Enfin, si, tu peux en stocker plus. Oui, bah j'en ai, je stocke. Par contre, t'as l'air de ne perdre aussi que ce que. Ah non, si, j'ai tout perdu. Alors je pense. Quoi, les 27 là, c'est le nombre d'allumettes que j'ai? Non. Je comprends rien. Bah, le chiffre à côté du... en gris. Oui, c'est le nombre d'exemplaires que tu as de l'objet, oui. Ouais, donc j'ai acheté 27 allumettes, peut-être que je vais arrêter, quoi. Oui, ah oui. Même les allumettes. Oui, j'aime les allumettes. Ouais, j'ai 27 allumettes et 10 crucifix. Je pense que t'as plein de bougies aussi. Ah bon? 23. Ouais, t'as raison. Merde. Ouais, c'est bon, j'ai un peu de tout. Écoute... Tu peux vendre maintenant, tu peux vendre. Ouais, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Bon, en tout cas, merci beaucoup. Du coup, je vous fais des bisous. Ouais, merci de m'avoir invité. Merci d'être passé. Et repose-toi bien. Cool. Merci. Et puis à bientôt. Bye, à bientôt. Des bisous. Au revoir. Hop, hop, hop. Il y a nul le jeu ce soir, oui, tout à fait.
scandale de mourir autant, quoi. Ça nous arrive jamais. Oui, non, c'est pas... C'était pas une très très bien. Très 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 bien soirée. Désolée. Moi, je vais vous laisser aussi, les filles. Si vous voulez faire quelque chose ou qui peut m'intéresser, vous me faites signe, mais je fais une petite pause. Ok. Ok, ok. Ah, des bisous. Je pense que ouais, je vais arrêter là aussi. Tu vas arrêter là. Ouais. Bah écoute. Enfin, des copines qui font des bêtises. Oui, oui, je vais nous envoyer ailleurs. Juste pour vous dire, demain, je sais pas à quelle heure je commencerai à stream, ça va dépendre de quand je me réveille. Mais demain après-midi, on a une invitée en or avec qui on va faire du Remnant à 14h. Et le soir, nous dérogerons à la règle d'avoir que des femmes. Nous aurons un invité qui me tient à cœur pour jouer à Yves-O. Voilà, donc demain, on reçoit des invités encore et ça nous fait très plaisir. Voilà, je vais regarder où je vous envoie mes petits clous. Et on est à 9000 euros, très bien. On a passé les 9000 euros, bravo à tous. Nous rappelons que si nous atteignons sur le CAF la barre des 400 euros, Néris sera la femme la plus heureuse du monde. Voilà, parce voilà. Que et ça sera... Que si on, par miracle on arrive à faire les 1000 euros, je serai la femme la plus fatiguée du monde. Voilà, mais, voilà. Mais ça, hein, putain. C'est loin. Il y a des gens qui veulent souffrir. Alors, attendez, je regarde où je vous envoie. Eh ben, pourquoi pas. Ici. Ah, mais non, c'est qu'il y a une pub. Je ne sais pas ce que fait la personne. Si, je vois. Ah, elle joue à Dordogne. Je vous envoie chez quelqu'un qui joue à Dordogne. Meilleur jeu. Ever. Oui. Voilà. Ah. Tac. Et sinon, bonne soirée à tout le monde et à demain.